Les anciennes carrières de Paris, Audrey les connaît par cœur. Elle est cataflique, une catégorie de policiers unique en France. Son job, déloger les cataphiles ou les catas, comme elle les appelle. Cette micro-société clandestine de quelques centaines de personnes qui fréquentent les catacombes de la capitale. Petite trace d'eux dans l'histoire de la carrière. C'est bien ce qu'ils font, c'est beau. Hein. C'est ils n'ont pas le droit par contre. Ce dédale de 280 km de souterrain est en effet interdit au public. Qu'ils viennent explorer, taguer, dormir ou faire la fête, les cataphiles ne respectent pas la loi et pas toujours les lieux non plus. Il y a un groupe qui l'a fait, ou un cata qui l'a fait, et puis il y a un autre groupe qui s'amuse à tout détériorer les carrières en fait, hélas. Ils laissent leurs poubelles, ils détruisent, ils les abîment. La société d'en bas, ça reflète la société d'en haut. Il y en a qui vont casser les carrières, qui vont les abîmer, il y en a qui veulent restaurer, et puis au milieu, bah, il y a la police, il y a nous, il y a les cataphiques. Dans cette salle dite de la plage, une des plus grandes des catacombes, Audrey et son équipe ont un soir délogé 300 personnes qui avaient transformé les lieux en discothèque. Les cataphiles, ils viennent ici pour faire leur soirée, pour être entre eux, pour être tranquilles en fait. C'est pour ça que quand ils voient la police, ils n'aiment pas forcément, parce qu'ils disent on est parti. Il a suivi les câbles et en fait, il est remonté par le puits avec une... Bonjour, police. Ah. Allez, venez vers nous. Ah bon. Allez, ça va bien se passer. Vous êtes au courant que c'est interdit d'être ici? Oui. Donc on va vous palper par mesure de sécurité, on va regarder ce qu'il y a dans vos sacs. We're exploring. On était en train d'explorer, on voulait juste voir de nouvelles salles. C'est sa première fois. En semaine, c'est rare, mais ça arrive de temps en temps. Des petits groupes de 3, 4, regardez par exemple des touristes. Les 3 ne sont pas français, mais c'est tellement connu en fait qu'on les croise quand même. Si ce tourisme clandestin ne date pas d'hier, le phénomène s'est accentué avec Internet. Mais attention donc, prix de la balade si vous croisez Audrey, jusqu'à 60 € de contravention.